Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on stack au jour 17 du Advent of Code 2020. Donc, dans ce nouveau puzzle, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un jeu de la vie, un petit peu comme on l'a fait dans quelques puzzles auparavant, mais en trois dimensions. Donc, je pense qu'on va peut-être avoir des problèmes de performance sur cet exemple-là. Pour l'instant, on demande de simuler, on va dire, le jeu de la vie pendant 6 tours. Donc, c'est pas si compliqué que ça. Et je pense que ça va pas trop prendre, sachant que l'input de base est pas très grand. Mais potentiellement, on peut avoir des problèmes de performance si on nous demande pour la partie 2, par exemple, un cycle un peu plus long. Donc, on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc, on va commencer tout de suite par créer notre jour 17. On va faire notre src 17.rs, notre fonction main avec notre let result égale part 1, comme d'habitude, println de result. Ici, on lui passe un raw input. On va avoir un fn de raw input qui est un static str. Comme d'habitude, on va copier-coller notre exemple. Hop. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On va avoir notre fonction part1 qui prend en paramètre le raw input static str qui nous renvoie un U64. Et on va avoir notre test. Donc pour l'instant, on va retourner 0 ici pour que ça compile. Et on va avoir notre test fn test part 1 assert équivalent. Et l'exemple qu'on nous donne, c'est 112 pour l'input. L'input, c'est ça, le 3x3. Ok. Est-ce que tout est bon? On va voir. On va essayer de compiler ça. Cargo test bin 17. Il faut que je fasse un part. Appeler part1 si je veux que tester part1. Ok, donc on s'attendait à 112, on a eu 0. Parfait. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va déjà parser l'input. Je pense qu'on va avoir un active est égal à h7new qui va contenir les valeurs qui sont actives. Ça, on va faire un use std collections h7. Ça va nous donner les coordonnées qui sont actives. Donc ça va être un let mute. Ensuite, on va parcourir notre input. Donc, on va faire rawInput.trim.lines. .enumerate. For x, line. Ensuite, on va faire un for y value in line.chars, chars.enumerate, pour avoir le y aussi, accès au y. Et ensuite, on va voir active. If, je ne sais pas si je peux faire if let de ça est égal à value. Dans ce cas-là, on fait active.insert qu'est-ce qu'on va insert? On va insert une coordonnée peut-être. On va avoir une struct coordinates avec un x qui est un usize peut-être. Je sais même si je fais des usize ou des U64. Et donc ici, on va mettre coordinates. X, Y et Z est égal à 0. Ok, donc jusque là ça compile. Je ne pense pas parce qu'on nous dit qu'il faut implémenter H. Donc bien sûr, hop, on nous dit que c'est des U-size. Donc on va mettre des U-size partout. Ok, donc il faut H et je crois que H7Rust, on nous dit un petit peu, voilà, là, copier-coller ça. Donc, si on veut que ça fonctionne, il faut faire partial ec, ec et h. Ok, donc ça fonctionne. Très bien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va. On veut récupérer le minimum de x, le minimum de y, le minimum de z. Et le maximum.
pour chacune des valeurs. Donc on va voir let mut min est égal à coordinate. Donc pour le min, on va avoir x usize max, y usize max, z usize max. Donc quand, vu que c'est le min, je vais mettre les valeurs maximum qui existent. Et en max. D'ailleurs, les coordonnées, pour l'instant, je les ai mis en usize, mais c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Ça va plutôt être des i64. Parce qu'on peut avoir des coordonnées négatives. Sans aucun souci, je pense. Et donc ici, ça va être min. Pour le max. Ça va être min, comme ça, on va pouvoir augmenter au fur et à mesure. Et donc, du coup, ici, ça va être as i64. Et as i64. OK. Et on va dire que if x est inférieur à min.x, dans ce cas-là, min.x est égal à x. Et puis, on va faire ça pour tous. C'est un petit peu long. If x est supérieur à max.x. Je vais peut-être faire une fonction pour faire ça, parce que je pense qu'on va le faire à plusieurs endroits. Donc, on va faire compute min max. Ça va nous prendre min, qui sont des coordinates, max, qui sont des coordinates, et coordinates, qui sont des coordinates. Et ça va nous renvoyer... je sais pas si je peux faire des mutables ici. Des références mutable. Je vais pouvoir les modifier. Je pense qu'il faut que je mette aussi un mut ici. Donc on va dire que on va tester ça et après si ça ne fonctionne pas, on fera un retour pour retourner les valeurs. Donc on va dire si coordinates.x est inférieur à min.x, dans ce cas-là min.x est égal à x. If coordinates.x est supérieur à max.x, dans ce cas-là max.x est égal à ça. Et ça, on va le répéter trois fois pour y. Alors, il faut d'abord que je corrige ça. Ici, c'est coordinates.x. Voilà. Et donc là, on peut le répéter trois fois, pas quatre. Et donc, on va pouvoir sélectionner le point x pour le transformer en point y. Et ici, on va transformer le point x en point z. Ok. Est-ce que ça compile? Ça, c'est une autre question. Donc là, je peux faire compute min max en lui passant min max et les nouvelles coordonnées qui sont ici. Let coordinates est égal à ça. Coordinates. Ok, est-ce que ça compile? Je ne pense pas. Missing x et y. Alors là, ça va faire x deux points peut-être et y deux points du coup. Cannot define min indiscope. Là, j'ai marqué min et pas max. J'ai marqué mix à la place de min. Unexpected token. Ok, donc ça c'est pas un problème. Ok, donc là. Donc là, il faut que je les passe en mutable. Value moved here. Donc là, ça, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que je peux juste le passer en référence ici. Et ça passe. Oh, c'est bien ça, que ça puisse fonctionner le mut. J'ai toujours peur de faire des mutables comme ça dans des fonctions en Rust. Mais a priori, ça fonctionne. Alors, je ne sais pas trop pourquoi des fois ça ne fonctionne pas. Mais bon, voilà. Bref. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais faire un dbg de min max pour voir un petit peu ce qu'on a. Je vais aussi les faire en debug, du coup, les coordonnées, pour qu'on puisse les afficher. 0, 1, 0 et 2, 6, 0. Ça me paraît pas trop mal, on va dire. Ok, donc ça a bien fonctionné. Ensuite, une fois qu'on a fini de faire nos premières coordonnées, on va pouvoir commencer notre jeu de la vie tel qu'il est. Donc on va faire let step est égal à 0 par défaut. Alors je ne sais pas si on commence à 1 ou à plus. Donc on dit after one cycle. After two, after three.
Ok, donc ça s'appelle ça un cycle. Donc on va appeler ça cycle. On va dire que c'est le cycle numéro 1. Mute. Et à la fin de la boucle, on va faire cycle plus égale 1. Et on va dire que if cycle est égal à 6, dans ce cas-là, on return result. On return active.length. OK. Au début, on va avoir un let mute new active est égal à active.clone. Je pense que ça, c'est pas terrible au niveau performance, mais bon, je sais pas trop comment faire le mieux ce genre de choses. Et à la fin, on va faire active est égal à new active. Et donc ici, c'est newActive.length, je pense. Quoi d'autre ? Et ensuite, on doit modifier notre newActive. Donc pour ça, on va partir de notre min et notre max. On va partir de notre min et notre max et on va parcourir toutes les trois dimensions en fait. Donc on va faire for x in min.x vers max.x. On va faire min-x moins 1 et max.x plus 1, je pense. On va aller un petit peu plus loin parce que potentiellement vu qu'on va checker les valeurs qui sont autour de nous, c'est possible que ça match. Bon. Je pense, je suis pas sûr de moi, mais voilà. Ok, donc là on va faire un deuxième for pour le y et un troisième for pour le z. Donc là c'est for. Donc, je peux renommer comme ça. Je ne pas trop renommer comme ça. On va le faire à la main. Min y, max y. Et ici, ça va être z. Min z et max z. Max z moins 1, max z plus 1. Donc, ça me paraît correct. Donc, on étudie, on va dire, toutes les dimensions, tout le cube, on va l'étudier, dans lequel on a des choses. Ensuite, donc dans ce cube-là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va checker toutes les valeurs qui sont autour de la valeur. Donc là, le x, y, z, ce sont les valeurs que l'on étudie. C'est le point qu'on étudie. Donc on va d'abord déjà dire, est-ce qu'il est actif ou pas ? Parce qu'en fonction de s'il est actif... Bon, dans tous les cas, on doit calculer les neighbors actifs. Donc on va faire let mute neighbor... Comment ça s'écrit neighbors ? Neighbors. Neighbors active est égal à 0 par défaut. Et on va parcourir tous les 26, comme ils disent, ils le disent ici, les 26 cubes qui sont autour d'eux. Donc pour ça, on va faire for diff x in for diff x in moins 1 point point égale 1. For diff y in moins 1 point point égale 1. Et for diff z in moins 1 point point égale 1. Ok, donc pour les trois diffs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va checker est-ce qu'ils sont actifs ou pas. Donc on va dire if active contains coordinates. Donc si elle contient les coordonnées, on fait neighbors active plus égale 1. Et on va faire ici juste un petit if diff x est égal à 0, and diff y est égal à 0, and diff z est égal à 0. Dans ce cas-là, on continue. On veut pas checker notre propre cas, notre propre cube à nous. On ne veut pas checker les 27, on veut checker juste les 26 qui sont autour. Ok, et donc là, les coordonnées, ça va être x est égal à x plus diff x, y est égal à y plus diff y, z est égal à z est égal à z plus diff z. Ok, et une fois qu'on a tous les neighbors actifs, et ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va faire... Qu'est-ce qu'on va faire si on a, une fois qu'on a tous nos neighbors actifs, on va faire if active.contains, cette fois-ci nous, coordinates de x, y, z. Donc si on est actif, on a différentes choses. Donc si on est actif, alors les règles, elles sont là. Si on est actif et qu'on a deux ou trois, and
Neighbors active est égal à 2. Hop. Or, neighbors active est égal à 3. Donc, si on est actif et qu'on a, on est égal à 2 ou 3, donc là, on va avoir un let isActive est égal à ça. Mais je ne sais pas si on peut le faire. J'essaye d'améliorer un peu les performances. Bon, on ne va pas s'embêter avec les performances pour le moment. Et puis, on verra après si on peut améliorer un peu ça. Parce que ce truc-là, on peut ne le faire que si on a les bons matchs. Is exactly 3. Alors, on a déjà, qu'on se concentre. Si je suis actif et que j'ai 2 ou 3, dans ce cas-là, je reste actif. Sinon, je deviens inactif. Donc, en fait, c'est plutôt l'inverse. And not ça. Donc, si ce n'est pas ça, dans ce cas-là, je fais newActive.remove de coordinates. If contain me, remove me. Else if, si on n'est pas actif, si on ne me contient pas moi, et si on est inactif et qu'on est qu'à exactement 3, et neighbor active est égal à 3, dans ce cas-là, je deviens actif. Donc là, c'est new active, add me. Et je crois que tout ça devrait être bon. On va pouvoir compiler. Alors, consider borrowing. Les contains, il faut, pour contains, il faut passer des références. Donc là, je vais passer mes références. OK. Ensuite, clone, method not found. OK, là, je peux lui mettre que c'est clonable ici. Remove également, il faut passer ça. Method not found add, donc c'est insert, je pense. Hop, insert. Length. Expected is64 found useSize. Donc le retour de ça, ça va être un useSize. Et ça a fail, on a trouvé 11 et pas à place de 112. Mais déjà, on a trouvé quelque chose. Par contre, on a un unreachable expression. Pourquoi on a unreachable expression? Effectivement, hop, ce 0 ne sert à rien. OK, donc, là, on avance déjà sur le problème. Pourquoi on a trouvé 11 et pas 112? C'est une question. Bon, on va peut-être faire un DBG de newActive et voir ce que ça donne ici. DBG de cycle new active. Alors, il faut le faire en passer en référence. Alors, au niveau du cycle 1, à la fin du cycle 1, on a 2, 6, 0, 1, 6, 0, 1, 6, moins 1. Alors, est-ce qu'on peut le voir ? After one cycle, on a au niveau du moins 1, on a 2, 6, 0. Donc 2, 6, pourquoi 6, Y? Alors ça me paraît étonnant, le 6 au niveau du Y. On a peut-être un petit souci au niveau de notre insertion déjà. Je l'avais déjà vu au niveau de l'insertion, mais c'est vrai que j'ai pas trop fait gaffe. 6, ça me paraît beaucoup. Ah oui, on n'a pas fait un trim. Alors, je pense pas que ça pose problème. Mais bon, au moins, on aura des valeurs qui seront identiques à la... Donc, on va remonter au niveau du cycle 1. Donc, au niveau du cycle 1, on a 1, 2, 0. Alors, on a... Hop, si on met ici à côté. Donc, au niveau du Z0, on a les coordonnées 1. Alors, mes coordonnées en X, c'est mes lignes. Et en Y, c'est mes colonnes. Donc, on va dire qu'en coordonnées X, j'ai 1, 2. Donc, 1, 2, c'est celui du centre.
qui me paraît cohérent. J'ai 2-2, celui-là. Non, même pas. 2-2, ça serait. Alors, est-ce que mes coordonnées, elles sont en 0 ou pas? Normalement, oui, je dirais. Donc, le 2-2, déjà, il n'est pas bon. 2-2-0, il n'est pas bon, parce que 0-1-2, 0-1-2. Normalement, celui-là est censé être actif. J'ai peut-être affiché le premier, le hop, faire un DBG de active tout au début. Return 0, ici, juste pour tester. Je vois déjà ce qu'on a au niveau. Donc on a 2-1. 2-1. OK. Ensuite, on a 0-1. OK. Ensuite, on a 2-2. OK. On a 2-0. OK, celui-là. 2-1, c'était celui-là. Ensuite, on a X en 2. 0-0. OK. Et en X1. Donc X1, c'est cette ligne-là. Y2. OK. Et on a le X0. X0, Y1, Z0. OK. Donc ça me paraît correct. On va dire au niveau des valeurs. Là, sur le premier valeur, en tout cas, les premières valeurs m'en paraissent correctes. Donc on va regarder un petit peu plus si on n'a pas fait d'erreur à ce niveau-là. Donc si le cube. Donc si le cube est actif, ça c'est contains, and exactly two or three sont aussi actifs. Donc si on a deux ou trois qui sont aussi actifs, il reste actif. Et qu'il n'a ni 2 ni 3. Alors, je pense que je peux le simplifier ça en mettant note. Je suis pas sûr que ça fasse la même chose. Si je suis actif, alors si je suis actif et exactement 2 ou 3, donc never active est égal à 2 ou non. On va peut-être l'écrire comme eux ils l'ont écrit pour être sûr. Active contains me. Donc si je suis actif et si je ne suis pas actif. If neighbors active est égal à 2 ou neighbors active est égal à 3. Dans ce cas, je ne fais rien du tout. Sinon, je me supprime. Donc si exactement 2 ou 3 sont actifs, je reste actif. Sinon, je deviens inactif. OK. Et si je suis inactif, mais que exactement 3, if neighbors active est égal à 3, dans ce cas-là, je deviens actif. Otherwise, je reste inactif. C'est bien new active insert me. OK, on va retester. Voir si ça change quelque chose. Donc on a eu 18, donc ça a changé quelque chose, mais c'est toujours pas 112. Donc là on était au cycle 5. Oh, est-ce que je peux pas faire un cycle de moins? Donc je suis au cycle après le cycle 1. C'est juste que j'ai mis mon DBG ici. Ok, j'ai mis mon DBG ici et du coup, je voyais pas le cycle 6. Ok, donc c'est juste ça. Donc là, je vois bien le cycle 6 normalement. Cycle 6, new active. Ok. Ok. Alors, on va recommencer les tests et puis on va voir. On va faire seulement un cycle, je pense, pour checker. Donc, on va dire à la fin du cycle 1, on s'arrête. Donc là, c'est bon. On a le cycle 1, new active. Donc au début, on a ça, donc ça, on avait vérifié que c'était bon. 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 valeurs actives. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Après le cycle 1, il n'y en a plus que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y en a 11 après le cycle 1 et on en a toujours 11. Je crois qu'on en a 11 là, après le cycle 1, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. On a autant de cycles actifs.
Je me demande si je ne voudrais pas faire un visualisateur comme eux, ils ont fait. Comme ça, je verrai vraiment les choses telles qu'elles sont. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire. Oh, ce que j'ai pas fait, c'est bon, je sais ce que j'ai pas fait. Ah. Alors, ce que j'ai pas fait, c'est mettre à jour mes min-max. Donc, forcément, ça ne peut pas fonctionner. Donc, mes min-max, j'ai ma fonction compute-min-max ici. Quand je deviens actif, je peux faire compute-min-max. Et si je reste actif, je fais compute-min-max. À la place de coordinate, ça va être mi. Donc si je deviens actif, j'augmente les min-max. Et si je reste actif, j'augmente les min-max aussi. Jamais je les réinitialise. Je suis pas sûr que ça vaille le coup. Parce que je pense que ça va toujours que croître. Et au pire, si je fais un peu trop, c'est pas très grave si je fais un peu trop. C'est juste au niveau des performances. Ok, donc là ça échoue, mais peut-être parce que juste parce que j'ai parmi 6. Et là ça passe. Très bien. Ok. Donc, c'était juste ça, on a oublié de recalculer les min-max, du coup, parce que vu que c'est un cube infini, en fait, on peut aller aussi loin qu'on veut, il faut bien qu'on ait des bornes minimum-maximum à analyser. Et donc, je peux lancer mon cargo run du jour 17. Ça me donne 448, et je vais tester tout de suite ça. Et c'est le bon résultat, donc j'ai bien réussi mon puzzle du jour. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous. Puis moi, je vous donne rendez-vous très rapidement pour la suite de ce Advent of Code 2020.